Damien Benoît, responsable FAO chez Sandvik Coroman Production. Joris Santon, programmeur FAO. L'usine d'Orléans Sandvik Coroman Production fait partie de la filiale Sandvik Coroman, qui elle-même fait partie du groupe Sandvik, qui est présent dans 130 pays. L'usine d'Orléans compte environ 50 employés et nous fabriquons des outils spéciaux dédiés aux applications de nos clients dans l'aéronautique, principalement, dans l'automobile et aussi dans le secteur mécanique générale. Les avantages de l'alternance pour l'entreprise, c'est de pouvoir former un alternant sur le long terme, de lui permettre de mettre en application ses acquis au cours de l'année de manière progressive, avec un rythme d'alternance adapté. Ça permet aussi de pérenniser les métiers de l'industrie en formant les jeunes qui sont motivés pour ces filières-là. Ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est aussi que l'alternant est un œil neuf dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc il va pouvoir permettre de remettre en cause certaines méthodes de travail et d'évoluer avec les nouveaux aspects technologiques en lien avec sa formation. L'alternance aide à mieux préparer le futur de l'entreprise en prenant le temps de former ses apprentis pour éventuellement les recruter par la suite. Ils apprennent à mieux connaître les différents métiers de l'entreprise au cours de l'année. Nous sommes là pour transmettre nos valeurs et pérenniser notre savoir-faire. Les apprentis développent au cours de l'année une grande motivation. La licence CAPI apporte une réelle expertise pour l'entreprise et est parfaitement en accord avec les besoins des métiers de la préparation, c'est-à-dire les méthodes, process, amélioration continue et aussi les métiers de la programmation FAO. L'alternant au cours de l'année dispose de réels moyens technologiques entre le centre de formation et son entreprise, ce qui lui permet d'évoluer très rapidement. Dans le cadre de la formation de Joris, nous lui avons proposé plusieurs missions, à commencer par la découverte de l'entreprise et des différents services. C'est très important pour comprendre l'interaction de tous les services. Ensuite, il a participé à de l'amélioration continue, avec des projets aussi techniques. De développement, d'amélioration de process. Et ensuite, il a fini son année avec la formation au métier de programmeur FAO. L'alternance m'a vraiment permis d'acquérir une première expérience professionnelle. Et quand on vient de Bac Pro et de BTS, on fait juste des stages. Et ça ne nous permet pas de vraiment avoir un long visuel sur une année, comme l'on fait au CNAM. Donc pendant une année, on alterne entre cours et justement l'alternance avec l'entreprise. Donc ça va crescendo entre deux semaines, et puis après ça va jusqu'à 6 semaines d'alternance pour 2 semaines de cours. L'alternance m'a du coup permis d'appliquer tout ce que j'apprenais en cours à l'entreprise, et ça c'est très bénéfique, car on voit forcément comment programmer, comment usiner justement, que ce soit sur machine, sur ordinateur, et tout ça on le met en application justement à l'entreprise. La formation en elle-même est très complète, elle permet du coup d'être sur machine, d'être sur ordinateur, voir comment programmer, ensuite réaliser la pièce qu'on a programmée sur machine. Elle permet du coup une polyvalence et aussi de voir comment se passe l'usinage de A à Z et d'apprendre diverses connaissances dans ce métier. J'ai connu la licence Pro du CNAM par mes professeurs qui nous ont parlé au fil de l'année pour préparer justement la fin du BTS et préparer surtout notre avenir, car c'est important de se poser des questions à qu'est-ce qu'on va faire à la fin du BTS. Donc pour ma part, j'ai fait un bac pro, ensuite le BTS IPM qui est la suite du bac pro technicien d'usinage. Et du coup, on m'a conseillé vraiment de faire la licence pro au CNAM. Et en effet, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et je remercie vraiment mes professeurs. Nous souhaitons remercier le CNAM et son équipe pédagogique pour la qualité de la formation proposée aux alternants, et ainsi que leur très bon suivi pédagogique au cours de l'année qui permet de recadrer les évolutions et de bien suivre la progression de l'alternant. Et moi je tiens aussi à remercier Monsieur Perron qui m'a vraiment soutenu en plus de l'équipe pédagogique du CNAM durant plusieurs années bien avant le CNAM. Et voilà, je souhaite vraiment que cette licence perdure et transmette justement l'envie que j'ai eue de faire cette licence à d'autres élèves.